Nous cherchons le délégué de l'Iran qui était prévu comme orateur pour cette session. J'espère qu'il nous rejoindra sous peu. Nous allons donc commencer. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci. Nous en sommes donc à la session 11, Applications et services TIC. C'est en quelque sorte la suite de la session précédente. Je suis Moira Deroche, la facilitatrice de haut niveau de la société IFIP IP3. Je ne vais pas présenter en détail chacun des orateurs, mais représentant de la Swiss Society Virtual Augmented and Mixed Reality, Monsieur Jean-Philippe Mohamed Sangar, fondateur et directeur. Pourriez-vous nous dire ce qu'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte, et quel est l'impact de tout cela sur les secteurs de la santé et de l'éducation? Mon intervention en français. Je suppose que la traduction est en cours. Donc, je remercie le WISIS pour cette exceptionnelle opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous. C'est quoi la SSVA? Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de tester un casque de réalité virtuelle. J'ai été tellement enchanté par ce que j'ai pu vivre comme expérience que j'ai voulu rencontrer d'autres personnes qui avaient le même centre d'intérêt. Alors, j'ai rencontré des amateurs, des professionnels, des chercheurs, et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin d'une plateforme commune d'échange pour que ces personnes puissent communiquer entre elles, échanger sur leur passion. Pourquoi? Parce que j'ai acquis la certitude que ces innovations portaient en elles la capacité de changer notre façon d'apprendre, de travailler et de nous divertir. Donc, en créant la SSVA, grâce à l'environnement très stimulant pour l'innovation qu'est la Suisse et qui permet à travers des mesures comme InnoPark de réaliser son projet, j'ai pu créer une plateforme communautaire qui a pour ambition de réunir des professionnels et des amateurs dans les technologies de la réalité virtuelle augmentée et mixte. Nous comptons actuellement 200 membres inscrits et une équipe d'une vingtaine de personnes environ. Nous avons des physiciens, des médecins, des financiers et même une chanteuse d'opéra. Nous nous sommes connectés à d'autres acteurs de la scène internationale ainsi qu'à des organisations internationales aussi. Nous avons reçu le soutien de Google, Microsoft, de l'Office économique de Zurich et aussi récemment de HP. D'un point de vue purement économique, sachez que le secteur de la réalité virtuelle pesait 5 milliards de dollars. En 2020, ce sera 162 milliards de dollars. Donc je veux, à travers la SSVA, contribuer à faire connaître les petites entreprises, les start-up, qui ont de la peine à trouver du financement pour leurs projets. Nous avons fait l'année dernière un forum d'investissement à Zurich, qui permettait aux start-up et aux investisseurs de se rencontrer. Donc, je vais faire court. Vous pouvez venir, nous avons la chance de tenir un stand à Popov. Vous pouvez venir visiter, vous allez découvrir à la fois la réalité virtuelle, la réalité mixte et aussi la réalité augmentée. Ce sont des technologies à ne pas confondre. Alors nous restons pas sur le domaine des festivals et de la vidéo 360. Ce qui nous intéresse principalement, c'est vraiment ce qui se fait dans le domaine. Alors, les implications en médecine, il y a 2 ans, le professeur Ahmed Shafi de Londres a fait une opération en direct en 360 où les étudiants en chirurgie pouvaient suivre, comme s'ils étaient dans la salle d'opération, l'opération qui était en cours. Dans le domaine de l'enseignement, les applications sont multiples et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un
potentiel énorme dans ces domaines-là de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Je pourrais continuer en parlant de différentes expériences, mais je vous invite fortement à venir me rencontrer en salle Popov. Nous avons du matériel de haute qualité, des choses qui pourraient vous permettre, si vous ne connaissez pas le domaine, d'aller beaucoup plus loin et d'envisager son utilisation. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you. Merci Jean-Philippe pour la présentation de cette technologie fascinante. Alors, pour avoir une démo plutôt que d'ajouter des éléments, ou souhaitez-vous ajouter? Oui, mais je peux répondre à la question également, si vous avez des questions à me poser. Je n'ai pas d'autres questions, mais si vous avez des éléments supplémentaires, merci de le faire. Voilà, ce que je voudrais ajouter à mon intervention, c'est qu'il est très important de ne pas voir ces technologies de la réalité virtuelle ou augmentée seulement sous l'angle du jeu ou du gaming. Il est très important de comprendre que les implications professionnelles dans tous les domaines sont très important. Il y aura un impact sur les médias, la façon de faire le journal télévisé. Aujourd'hui, quand vous avez un reportage télé sur un événement qui a lieu quelque part, vous avez le point de vue du réalisateur, du caméraman, et il est unidirectionnel. Demain, avec les technologies des vidéos 360 degrés, eh bien, vous aurez tout l'environnement et tout le contexte. Dans le domaine, par exemple, de l'aérospatiale, les simulations sont très compliquées dans l'espace. Et de reproduire dans des environnements immersifs les conditions de mission spatiale feront gagner énormément en matière d'apprentissage. Donc, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, c'est beaucoup plus que du jeu, que de l'entertainment, c'est-à-dire de la vidéo ou d'autres amusements. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter. Donc vous pouvez passer nous visiter en salle Popov. Nous avons du matériel de chez HP, par exemple, que vous pourrez tester. Demain, nous aurons des HoloLens, qui sont des lunettes de réalité mixte de Microsoft. Et vous pourrez vous faire une idée si vous ne savez pas déjà. Voilà, merci beaucoup. Thank you. Merci Jean-Philippe. J'espère que les gens répondront à votre invitation. Alors.